Bonjour Christina. So we had a course uh, lesson this morning, le mardi 15 September, leçon 13 sur 23. So um, they're gonna start with the fireworks. So I'm trying to to do as many recordings as, as as I can, you know, before the mess here, because it's a Mexican independence day. So anyway. What's wrong? Qu'est-ce qui se passe? So we went through a lot of stuff. It's just to to wake you up, okay? Uh, nothing too complex here, but actually, you're very good in French. So il y a une souris et un delta plane, okay? Il y a un garçon qui fait du skate et il est propulsé par des avions en papier. Une souris et une une charrette, I guess. Une pignata et le chat, une corde avec de la craie, chunk, euh, un écureuil avec des pop popcorns, un, un, un oiseau sur un ballon, un oiseau et un chapeau, un, un griffon, etc. Le ici. Uh, un cerceau et des clés. Ok. So, anyway. That's not the most important. So, what we did today is actually we talked about faire. Okay, so you told me that you already did it, but hey, this is nice because you already have an understanding of the verb. So, well, let's go through all the expressions with faire to do to make. So, <whats> sorry, at this way. Bless you. So, faire. Je fais, tu fais, ils/elles ont fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ok? Vous faites un gâteau d'anniversaire pour votre fille? So are you making a birthday cake for your daughter? Elle fait un travail difficile. She is doing a difficult job. So we can use faire with the weather. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle température fait-il aujourd'hui? Il fait chaud, il fait froid, il fait beau. Il fait frais, il fait doux, il fait mauvais, il fait du soleil, il fait 35 degrés, il fait du vent. With the verb pleuvoir to rain, neiger to snow, il pleut, il neige. Okay. C'est. Well, that means it is. So we're going to use c'est with some some uh, some expressions. C'est nuageux. It's cloudy. C'est orageux it's stormy. C'est humide it's humid. C'est lourd it's sultry or oh, it's it's like a heavy humid weather. It's you know it's uh, it's ready to burst in a sense because maybe we're going to have a storm or maybe it's going to rain a lot. So anyway. Il y a there is they are. Il y a du vent, il y a du brouillard, il y a une tempête, il y a une tempête de neige. il y a des nuages so basically we mean there is wind there is fog there is a storm there is a snowstorm there is or there are clouds okay but we're not gonna say that we're gonna say it's cloudy so it's cloudy can be c'est nuageux or il y a des nuages okay so um, quel heure what time is it les sports well concerning the sports we can use fair to do to make or jouer to play okay so je fais du yoga that means i do yoga nous faisons du tennis vous faites du vélo you ride a bicycle elle fait de la natation she swims okay so she does swimming if you want as well and we can also say well jouer is to play i cannot play yoga so i cannot really use this one je joue au tennis jouer à en jouer au faire de faire du de la etc. Be careful of this, this uh, article after. So je joue au tennis. Je fais du vélo. I cannot play. Je joue de la natation. Non, it's only tennis. I can just replace faire by jouer. A music instrument. So here we, we have two other examples. Je joue au foot and il joue aux échecs. Okay. Je fais du violon. Je fais du piano, je fais de la guitare. And I can also use joue. Je joue du piano. OK, je joue du violon, je joue du piano, je joue de la guitare. We have some uh idiomatic expressions to a certain extent. Je fais du bricolage. I do some home improvement, you know, home renovation. In British English, it will be like uh, to do some DIY, do it yourself. Uh, They forgot the R here. Saving money. Je fais des économies. Je fais des bêtises. Je fais attention. ça I'm careful. Je fais la cuisine. Je fais le ménage. Je fais la vaisselle. Je fais le repassage. Je fais la grasse matinée. Sleeping in. Je fais les courses. Je fais les magasins. Je fais les achats. Je fais des achats. So... It's like grocery shopping, you know. You are like uh, looking at the windows of the stores and buying things. Je fais des achats. Je fais des bagages. I'm packing. Who's on the exercises? Please don't forget. You have four exercises. Not very easy. Anyway, if you don't make, if you don't have time to 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 finish the exercises, we can uh, go through that tomorrow. Okay. You have a nice evening, and I'll see if I can make the other recordings before going to sleep. Let's see. Au revoir, Christina. A très bientôt.